Ben shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Les Khazars, ce soir nous sommes à Rabat. À Rabat, donc, shalom, j'ai eu un culte aujourd'hui dans une église à Gaza. Et juste après Gaza, je suis à Rabat. Voilà, en même temps, j'en profite pour donner un message à ceux de Paris qui préparent notre arrivée de l'autre côté au niveau de la France. Demander à nos frères de se mettre dans l'organisation parce qu'on ne sent pas, on ne sent pas dans l'organisation parce que juste après l'annonce, le portable, le téléphone du pasteur, c'est ce qu'il m'a dit, était perdu. Il y a aussi le frère Michel qui a garé son téléphone. Donc on a pris tout le temps, les gens m'ont appelé, m'ont emmerdé parce que à l'église, au niveau de Divo, je voudrais qu'ils donnaient les coordonnées de ces personnes. Je n'ai pas eu vraiment leur nouveau, une motivation, un truc pour pouvoir donner les téléphones aux gens. C'est au niveau de Divo, c'est Divo qui courait après eux, comme si c'est le ministère de la compassion des âmes qui courait pour forcément avoir une évangélisation, forcément au niveau de Paris. Notre arrivée au niveau de Paris, c'est juste apporter notre contribution par rapport à l'évangile du Seigneur. Vous aider, n'est-ce pas, dans l'éclairage de certaines pratiques de la sorcellerie, et pour vous délivrer de certaines choses, vous amener véritablement pour d'autres personnes à la conversion. Voilà, donc nous ne courons pas derrière un programme concernant Paris. Voilà, donc c'est pour vous dire de vous motiver, sinon, moi je risque d'ici, si je ne sens pas, je ne sens pas de certaines choses, parce que c'est vrai que vous avez posté, vous avez envoyé une vidéo concernant l'organisation au niveau de votre niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, à notre niveau, déjà, il y a des personnes de délégation qui s'est dépêchées depuis Londres, qui nous ont retrouvés ici à Gaza. Voilà, à Gaza. Nassis, il y avait une autre sœur qui nous a fait la proposition, une invitation pour Londres. Voilà, donc le comité, le ministère, le président et moi, et toute cette délégation, nous avons validé, donc dans le mois de mars, et surtout fin mars, nous serons à Londres. Nous ne sommes pas loin de la France. C'est un comité qui est en train de se faire. Vous pouvez même envoyer une délégation. Parce que nous sommes ici jusqu'à deux semaines. Pas de coup de fil, pas de signe à votre niveau. Nous, à notre niveau, si les gens nous amènent depuis Paris, tous ceux qui viennent de France, nous les orientons vers vous. Mais nous ne sentons pas des choses. Mais moi, et ça moi, je vous le dis ainsi, d'ici trois jours, je ne sens pas certaines choses réglées parce que je suis un homme de Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui viendra faire des choses. Vous invitez un homme de Dieu, mais tu es assez de sérieux. Il y a mon image. Au fait, il y a mon image, c'est ça. Et quand je n'ai pas de l'image, il y a l'image de Dieu. Donc, mettez un peu de sérieux dans certaines choses. Sinon, d'ici quatre jours, je vais vous répondre pour dire je ne viendrai plus à Paris et je vais partir sur Londres, j'irai sur New York. J'en profite pour dire salut le pasteur Amisha depuis New York pour l'invitation sur New York dans le mois de mai. Voilà, donc je demande au pasteur Kwasi déjà maintenant de se mobiliser avec son comité d'organisation. Sinon, ça je vous l'assure, voilà, moi je ne cours pas après Paris. Je ne cours pas après Paris, je suis un homme de Dieu. Je suis là où Dieu me veut. Voilà, Dieu me veut. Et donc si vous ne vous organisez pas, qu'il ne voit pas de série, parce qu'il y a notre image, comme je dis, hein, nous ne faisons qu'orienter les gens vers vous. Les gens n'arrivent plus à vous joindre et ça nous complique des choses, parce que ça nous complique des choses à notre niveau. Mettez de l'ordre. Sinon, d'ici trois jours, je refais une vidéo et j'ai dit merde à cette histoire de Paris. Voilà, donc il y a le pasteur, le président qui aimerait aussi dire quelque chose par rapport à tout ça. Ok. Merci prophète, merci maréchal. À la suite de maréchal, je dirais que nous venons d'ouvrir là notre série de tournées. Parce que cette année 2015, comme l'a dit le prophète à la veille de la nouvelle année, que cette année 2015, il allait effectuer des tournées. Ce qu'il a manqué de faire en 2014, parce qu'il a voulu faire asseoir le ministère d'abord, faire un travail, produire un travail concret que vous-même vous avez dû apprécier sur le net partout. Cette année, on vient d'ouvrir la série de tournées avec le Maroc. Effectivement, on était à Gaza. Ce soir même, nous sommes arrivés à Rabat. À l'endroit donc des organisateurs de Paris, effectivement, il y a quelque chose à dire. Parce que nous sommes arrivés à 24 heures de notre arrivée ici. D'ailleurs, même avant qu'on arrive déjà, les gens de Londres étaient déjà là, d'Angleterre. Ils étaient là, ils attendaient le prophète. Et comme vous pouvez le constater avec nous, vous-même, c'est qu'un constat s'impose.
que les gens de Londres soient là, c'est une motivation de plus. Tandis que ceux de Paris, je pense que cette histoire de Paris, il y a longtemps, depuis Divo, en Côte d'Ivoire, on en parlait, on avait les échos, mais on ne sait pas ce qui se fait exactement sur le terrain. Et disons, le Maroc et la France, quand même, si ceux, les gens pouvaient être là, il faut qu'on sente vraiment la motivation. Donc nous nous sommes quand même interrogés. C'est vrai, M. Kouassi, ne soyez pas déçu, le pasteur, ne soyez pas déçu, mais ça méritait quand même une interrogation. Et comme vient de le dire le maréchal, parce que ça c'est la brigade, nous avons vu qu'il y avait plus de motivation. Et ce que nous voyons, c'est que du coup, Londres met en compétition la France. Et si ceux de Londres présentent une potentialité d'organisation plus fiable, c'est ce que vient de dire le prophète. Londres prendra la primauté sur la France. Donc bientôt, déjà, Londres a été programmé. On vient de donner, le prophète vient de donner la date. Ils ont bien trouvé la salle. En mars, tout. Parce qu'ils sont plus motivés. Donc ce que nous pouvons dire au pasteur Passy, d'abord nous le saluons au passage, ça ne connaît pas très bien. Moi, je suis le président de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Le prophète m'a suffisamment présenté. Donc je remercie d'abord le pasteur Kouassi et je lui demande de faire davantage, de s'organiser parce que l'organisation, ce n'est pas une chose facile. Et aussi, il peut même approcher, demander au prophète les coordonnées de ceux de Londres, tels que monsieur Narcisse, pour qu'on les aide dans cette organisation, pour qu'elle avance. Il faut qu'elle avance. Et aussi, ce qu'ils doivent savoir, ils font venir un homme de Dieu. Donc, ce qui est privilégié dans les déplacements du prophète, c'est l'image de l'homme de Dieu qui vient aider les hommes, comme il le fait déjà. Vous avez vu, ce n'est pas l'argent qui le préoccupe, etc. Mais il y a un minimum. Comme on le dit souvent, au temps de Jésus, on ne payait pas de transport pour aller, on marchait, tout était gratuit. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a un enjeu. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. On sait que ce n'est pas facile, mais il faudrait qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils disent à nos frères de France qui ont effectivement besoin de salut, qui ont besoin que Jésus se manifeste dans leur vie, comme le prophète l'a déjà fait pour d'autres qu'ils ont vus, il faudrait qu'ils se mobilisent. Et ce n'est pas au prophète de venir là-bas pour leur dire « organisez-vous pour que je vienne ». Non, mais c'est eux qui s'organisent pour inviter le prophète. Alors s'ils ne tiennent pas ces deux positions-là, en bonne intelligence, ils risquent de se tromper pour croire que c'est le prophète qui a besoin d'eux pour qu'ils s'organisent. Oui, et comme il vient de le dire, il annulera purement simplement le voyage de Paris. Or, vraiment, nous ne voyons pas cela, nous qui sommes auprès de lui. C'est le prophète, il agit sous la dictée de l'Éternel. Si sa communication spirituelle avec Dieu ne lui permet pas d'accepter telle chose, nous n'y pouvons rien. Donc nous sommes auprès de lui. Nous demandons à nos frères de Paris de redoubler d'efforts, de s'organiser davantage et même d'approcher ceux de Londres qui ont plus de motivation et qui avancent. J'ai donné déjà le nom de quelqu'un, M. Narcisse. Le prophète peut leur donner avec, disons, le prophète peut valider cela pour que Paris aussi avance. Donc, au passage, je vous remercie une fois de plus, M. Kouassi. Nous saluons Paris. Nous disons que le prophète sera très bientôt à Londres. Organisez-vous déjà le comité d'organisation. On peut même déjà venir à Londres pour voir ce qui se passe pour que Paris aussi avance. Notre souhait à nous tous, c'est que le prophète, effectivement, effectue le voyage de Paris. C'est ce que je voudrais vous dire. Je vous encourage, je vous salue et vous avez le bonjour de tout le monde. Merci. Ok, mon mot de fin, c'est que tout récemment, il y a le pasteur, il y a le Michel qui m'a demandé de communiquer un peu là-dessus. Il faut dire qu'au niveau de la France, nous avons déjà chaque jour, surtout qu'hier, il y avait 62 000 vues. Donc la France, sur le YouTube, il y a plus de monde qui nous suit. Et surtout, il y a un grand besoin. Surtout, c'est un grand besoin. Donc nos souhaits, c'était d'aider vraiment la France, aider beaucoup de gens et tout ça. Mais malheureusement, je ne suis pas trop satisfait, je ne suis pas content d'eux, surtout le comité d'organisation, je reviens encore là-dessus. Ce n'est pas à moi de courir après vous. Voilà, j'ai l'impression que vous pensez que c'est au fait qu'il doit courir, et comme s'il y avait besoin de vous, que c'est de Paris. Non, moi je dis, s'il n'y a pas un bon retour, d'ici 3 jours, j'annule et je pars ailleurs, parce qu'ils ont besoin de nous aujourd'hui, ici New York, ils ont besoin de nous aujourd'hui à Londres. Au nom, il faudrait que les gens comprennent une certaine chose, que Jésus-Christ, au-dessus de la société, c'est tout. Ce n'est pas une question de venir à Paris frimer, c'est d'apporter l'évangile de Jésus. Shalom.